Bonsoir Stacy, bonsoir James. Voici le résumé d'aujourd'hui, mardi 25 août, leçon 3 sur 36. So these are the 4 different exercises we did today, and these are the answers. So I'm going to just go straight to the questions. Avez-vous l'adresse du restaurant? The answer is non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. Travaillez-vous à la poste? Oui, je travaille à la poste. Vous voulez envoyer le paquet en tarif normal ou prioritaire? Non, je préfère. Actually, we could just say, vous voulez envoyer le paquet en tarif en prioritaire, en tarif prioritaire? Non, je préfère. So that would be better to say that actually. En tarif prioritaire. Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Oui, je reçois souvent des lettres. Recevez-vous souvent des lettres? Connaissez-vous le code postal de cette ville? Do you know? Oui, je connais le code postal de cette ville. Okay. Vous envoyez cette lettre en tarif normal. J'ai reçu un colis de Grèce, from Greece. Je voulais envoyer cette lettre en Pologne. Vous devez remplir une fiche de douane. Vous connaissez le code postal de ce village. So here we can say, donnez-moi 10 timbres. Je vais prendre 2 timbres pour le Sénégal et je voudrais envoyer un paquet en Allemagne. Je voudrais envoyer ce colis en Angleterre, s'il vous plaît. Oui, monsieur, en tarif normal ou prioritaire? Normal, s'il vous plaît. So all the answers are here. Parler des quantités. So let me just read the dialogue to talk about quantities au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kg de tomates, 2 courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame, et avec ceci, je vais prendre aussi 4 pommes et 1 livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. So hello ma'am. So, vous désirez would be like you desire, but it's not really correct to say that in English. So, we're going to say, what can I do for you? Can I help you? I would like 1 kg of tomatoes, 2 zucchinis, and a green pepper, please. Here you go, ma'am. And with this, anything else? I'll have also 4 apples and a pound of strawberries. Here you go, that would be all. No, I would also like a bit of parsley. So we are essentially talking about the quantities here. That means 1 kg de. Every time we're going to deal with de, on dit apostrophe. Okay? Beaucoup d'amis, a lot of friends. Un grand nombre de gens, a large number of people. Un peu de persil, a bit of parsley. 1 kg de tomates, 1 kg of tomatoes. 1 litre d'huile, 1 liter of oil. So every time it's like something of. Quelques légumes, some vegetables, une pomme de terre, a potato, une courgette, zucchini, an onion, une aubergine, an eggplant, une tomate, a tomato, un chou-fleur, a cauliflower, une carotte, a carrot, un poivron rouge, un poivron vert, a red pepper and a green pepper, un poireau, a leek, un brocoli. Brocoli, une salade, a salad, or lettuce, des haricots verts, green beans, des champignons, mushrooms, quelques fruits, some fruits, une pomme, an apple, une orange, an orange, un citron, a lemon, un pamplemousse, a grapefruit, une poire, a pear, une pêche, a peach, des cerises, cherries, des fraises, strawberries, un abricot, an apricot, une banane, a banana, du raisin, grape. Quelques herbes, le persil, parsley, la menthe, mint, le basilic, basil, les herbes de Provence, so, le thym, thyme, romarin, rosemary, laurier, the bay leaf. So it doesn't matter if I have an S, I'm not gonna say 1 kg D, I'm gonna say deux every time. Okay? So we'll do the exercises on Thursday, hein? We will finish the exercises.
La cliente achète seulement des légumes. She only buys vegetables. C'est faux. Les pommes sont des légumes. Apples sont vegetables. C'est faux. La cliente achète 500 grammes de fraises. She buys 500 grams of strawberries. C'est vrai. La cliente achète une herbe. She buys an herb. Yes. So, acheter, to buy. It's a io verb, by the way. So, to be, être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. That means I am, you are, he is, she is, we are. You are, they are. Masculine, féminine. Avoir, to have. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Les cafons, zon, zon. Faire, to do, to make, depending on what comes after. So, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Aller, to go, irregular verb. It's an irregular ion verb, doesn't belong to the first group. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. So, we talked about the three verb groups. The first one is all about the ion verbs except aller. Second one, some, I repeat, some ion verbs, not all of them, like finir. And the others, basically the others. So we have a third group composed of different subcategories, okay, for the verbs ire, ir, oir, oire, aindre, etc., etc. dre as well, okay. So, what do we do with the ion verb? For the present tense, we drop the ion part and we add the following endings. E-E-S-E, O-N-S-E-Z-E-N-T. So, for instance, I have the verb parler or acheter, doesn't matter. I drop the ion part and I'm going to add E-E-S-E, O-N-S-E-Z-E-N-T. Je parle, tu parles, il, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Okay? I'm not gonna do some conjugation all the time because it's gonna be boring, not very dynamic. We continue with the quantities. We finish, we close this chapter, and we may have like one course, you know, just about conjugation and some grammar. But in general, I like to give the context. It's better. We memorize better like that. Passez une bonne soirée, on se voit jeudi, à très très bientôt, merci.